Bonjour tout le monde, ici Pia Pas Fixé pour un autre épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc on t'est rendu, on a aidé, je me rappelle comment elle s'appelle honnêtement, la fille, Jessie. Là ça va pas bien, là. Il se passe de quoi là? Besoin d'attendre Wedge? Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends pas. C'est pas facile à saisir pour un soldat, j'imagine. Mais bon, je lui dirai qu'il fait un souci pour lui. La brigade A va rester ici pour trouver les fugitifs. La brigade B va rapidement terminer la situation et remettre la situation en ordre. Bon travail! Venez par ici! Allez! Mettez-vous tous en position! Avançons! Elle est bien morte, on dirait. Remarque, comme ça au moins j'étais tranquille. Au fait, où est Wedge? Wedge! La flippe! On s'occupe de lui. Hé, Wedge! Tu peux te lever? Allez! Pardon, j'ai pas assuré. Tête est touchée. J'ai dû me prendre une balle perdue dans le derrière. Hein? Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Wow. Sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touchée. La balle est passée tout près, alors ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Ça creuse les émotions. Ah, oh, tu ris, Cloud? Il faut y aller. Ne perdons pas de temps. À tes ordres. Ok, qu'est-ce qui se passe? Retour au bidonville. Il y a un truc que j'avais envie de tenter depuis longtemps. Nous inspectons actuellement les appareils. En attendant, nous vous prions de bien vouloir rester chez vous. Nous vous informerons de toute évolution de la situation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. N'empêche, je pensais pas qu'on tomberait sur la faction principale. C'était un hasard? Ouais, et ça nous arrange pas. Ce quartier est fermé pour des raisons de sécurité. Les civils sont priés de rester chez eux. Merci de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Me dites pas que c'est encore une attaque terroriste. Il s'agit d'une faute d'alerte. Venez par là. On sera mieux tranquille. Mais où est-ce qu'on va, là? Tu verras bien. Je vais pas te gâcher la surprise. J'ai réussi à mettre la main sur mes explosifs. Avec ça, la prochaine mission devrait se dérouler nickel. Ouais, espérons. J'espère que ton père pourra guérir rapide. Hé, chut! Parle pas de ça. Quoi? Le chef disait qu'il aurait bien aimé manger de la pizza, lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, t'avais envie de manger de la pizza? Oui. Sacha, c'est moi qui le mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super! Ouais, super génial! On est où, là? Extrémité du plateau numéro 7. Un matériau résurrection.
Tu tombes de haut, tu tombes. Ça doit être par ici. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes ? Hein ? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr ? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter. Wow. Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivée sans vous. N'oubliez pas, tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole. Fiku. Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu veux nous faire tomber ou quoi? Et c'est toi qui dis ça. Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Attends, je suis pas prêt. Tant pis. 30 secondes. Allez, sois un frère. Non, on n'a pas que ça à faire. Un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. Ok. Bidonville, secteur 7. Je peux très bien rentrer tout seul. J'ai eu un peu chaud aux fesses, c'est tout. C'est bon, je vais te raccompagner. T'es gentil. C'est par ici. Tu crois que Jesse et Biggs sont déjà rentrés? Je sais pas. Tu veux bien qu'on passe voir chez eux? Hey, c'est sur notre chemin. Ok. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Et il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu, quand même. Mais bon, allons voir chez Jesse, maintenant. On s'est disputé parce que... Sont-ils arrivés? Je cogite tellement sur ce qu'ils ont dit.
C'est ici qu'habite Jesse. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche ? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles ? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. Puisque je te dis que c'est interdit aux hommes ! Ok. C'est ça qui habite. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Oh my god. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez, comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats de papa, ça. Oh, c'est mes petits chats, ça. Ben alors, Flo-Flo, faut pas bouder comme ça. Ok. Lui habite là. Protection. Ça n'est pas fini. Oh. D'accord, super. Tu veux bien me lâcher ? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule. Mes collègues seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche ? Tu viens ? Je t'attends demain soir. Je vais y réfléchir. Génial! Bon, je vais préparer une pizza dont j'ai le secret. J'y mets Marquet, Luché, des mini noirs et de la cachérie. T'aimeras? Je sais pas, j'y connais rien. Tu sais que t'es trop craquant, toi. T'inquiète, ce sera bon, tu peux me faire confiance. Faites vos rêves! Je sais pas ce que je viens de faire, là. Mais pas trop. Histoire principale, bon. Ah, c'est quoi le... Retournez à votre appartement et reposez-vous. Ok. Est-ce qu'ils ont fermé la place? Impossible. Les lumières sont éteintes. On a le plus besoin. Elle doit être en train de dormir. Et on va se coucher.
Ouais? Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit. Tifa. Oh. Quel menu, ça je comprends pas. Encore ces fantômes là. Est-ce que c'est des détraqueurs comme dans Harry Potter? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est ça. T'es prête? Quand tu veux. Allons vite au bar. Oui. Allez, je suis prête. Viens. Donne-moi ça. Viens. Pas de magie, c'est quoi? Ok. Tais-toi. Je sais pas trop. Ils deviennent visibles quand on les touche. Mais à part ça... on sait au moins qu'on peut les vaincre.
C'est déjà ça. Je peux mettre quelque chose sur elle. Physique, protection. On y va. Avant toute chose, je vois si on peut voir la nouvelle créature. Créature inconnue. Analyse impossible, non identifiable, aérien. Ce qui se passe là, mais... C'est pas fini.
prends ça. Créature du néant. Hein. Ah, c'est soin que je vais faire pas vie. Voyons. Te précipite pas. Ok, c'est parti. Avec ça. Quelque chose. Soit encore. Yeah.
Fais mal, fais mal. Donne-moi ça. Tiens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. Oh! Oh. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Bix s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi. Tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jesse. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Numéro 5. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. 500 guilds. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Je voulais te dire, sois vigilant. Je reste ici, t'inquiète. Je protégerai le bar. Cloud, je compte sur toi pour les protéger. J'ai encore loupé une occasion de monter sur scène. Je dois être trop sensible au trac, c'est pas possible. T'en auras d'autres, des occasions. Ah, t'es en train de me consoler, là? C'est gentil. Dépêche-toi de faire ce que t'as à faire. Je vais te préparer une pizza en attendant. Ok. Je peux-tu quand même jouer à ça? Bon, let's go. Il paraît qu'on a vu des créatures. Mais c'est bon, ils sont partis, non? Bon ben, allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. L'équipement des personnages absents du groupe peut également être modifié.
Il est préférable de réattribuer leurs matériaux et accessoires aux autres en fonction des situations. Ok, on est rendu quasiment à la fin du chapitre 4, c'est ça? Est-ce qu'il y a des side quests à tout? Créature du néant. C'est une version mauve des normales qui était vraiment plus puissant que les autres, là, on s'entend. Oh, Parrette est là. Mitrailleuse rotative. Bon, il y a quoi? Foudre et soin. Ah, j'ai des points. Ok. Attaque magique. Parfait. Change de noyau. Je veux changer de personnage. Emplacement de matériaux à jouer. Puis barrette. Okay. Emplacement de matériaux. Attaque magique plus 5. Puis augmente attaque physique. Okay. Défense physique plus 4. Voilà.
effectivement, tu vas aller à un nouveau emplacement. Que je vais mettre à l'instant même. Est-ce que je devrais y mettre... je vais y mettre PV augmenté. Puis je vais y mettre... analyse en attendant. Il faut que j'aille où? Faut que je sorte de la ville. Par là, faut que j'aille. Entrée du bidonville. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? En détruisant des réacteurs, ils forcent les gens à faire. Tu t'étais un petit peu trop loin, madame. Non, faut que j'aille là. La marchandise devrait arriver. Cloud, vos capacités sont bien supérieures à tout ce que j'avais estimé. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Moi que... pas ça que je veux faire. Bon, ok. Ah, moi que je mette la barrette. Ce que j'ai feu, j'ai soin, j'ai esquive offensive, puis j'ai résurrection. Donc, puis ce que je vais faire, je vais mettre auto-soin. Puis à baguette, je vais mettre résurrection. Étrangement, ça s'appelle résurrection, mais dans le menu, ça s'appelle vie. Comprendre, mais bon, ok. J'en peux plus. Je peux plus résister. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Yop. Higgs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute, qu'ils s'assument. T'es tranquille. Pas qu'on
ça va au secteur 5. Escapade nocturne. Chapitre 4 terminé. On rentre au chapitre 5. Eh ben dis donc, y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Chapitre 5, suivez le chien. Que je continue. Tu veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Barrett, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Ok. Let's go. Il a l'air bien correct. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? À cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. On a là. Allô, toi. Matériaux soins. C'est pas par là que tu dois aller. Non, en effet.
n'avez rien à redire, pas vrai? Où est Tifa? Tu ferais mieux de pas la laisser seule. As-tu fait ça pour s'en aller? Ouais, là-bas. Contrôle des identités en cours. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Contrôle des identités en cours. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Oh. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ravitaillement de sécurité. Oh non! Venez par là! On se grouille! C'est quoi ça? Des petits robots crabes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde. S'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de Zagran. À mon tour. Putain, toi. Des robots crabes. Bonne observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade. Suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Elle est en spirale. Ça va, Tifa? Tifa, tu peux te battre? Sans problème. Des robots crabes! Ça, ça vole, fait que d'après moi... Le vent, c'est leur faiblesse.
drone mitrailleur. C'est ça? La Shinra a doté ses petits appareils de défense d'un système gyroscopique leur permettant de pourchasser et d'attaquer rapidement les ennemis depuis les airs. Moi, je les appelle les robots crabes, mais bon, c'est pas grave, ils n'ont pas de pince. J'avoue que c'est pas un crabe, c'est juste un araignée ou je sais pas trop. C'est un genre de R2-D2 mutant. Voir si quelque chose, mais... Tu cherches quelque chose par ici? Il y a peut-être quelque chose pour de vrai, mais... Je suis plutôt sceptique, mais on va voir. Il faut qu'on se dépêche de retrouver Barrett. Non, c'est juste moi qui explore pour rien. Désolé. Ça, deux super potions. J'avoue que c'est quelque chose que je pourrais faire. Holy shit, il y a des trains qui avancent. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une caméra. Splendid, oh oui. Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui. Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Partie de... Barrett.